Et bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette première conférence de Nice Fiction 2020 100% virtuelle. Donc pour cette première conférence, on accueille Denis Thaïlandier, maître de conférence au Japon, donc spécialiste de la culture japonaise et plus particulièrement de la science-fiction japonaise. Et aujourd'hui, il va nous présenter quelque chose qui s'intitule Entre réel et virtuel, adapter et s'adapter à la catastrophe dans la science-fiction japonaise. Denis, à toi. Ok, merci beaucoup Anthony. Bonjour à tous, merci de suivre sur le live. Là, on se voit uniquement avec Anthony, donc c'est un petit peu bizarre. Moi, c'est un peu la première fois que je parle comme ça en ligne sans avoir les gens en face. Excusez-moi si je vais trop vite ou s'il y a des petits couacs. Comme vient de le dire Anthony, je voulais vous parler un petit peu dans la thématique du reboot de la Terre 2.0, de l'imaginaire de la catastrophe dans la science-fiction japonaise. Et pour commencer, pour mettre un petit peu en contexte, je voulais prendre un petit quart d'heure, 20 minutes, pour vous présenter un petit peu les développements de la science-fiction littéraire au Japon. Donc un survol très bref, mais qui vous donnera un petit peu une idée de comment ça s'est passé. Donc pour démarrer, la science-fiction au Japon, elle démarre au milieu, en gros, du 19e siècle. Avec l'ouverture forcée du Japon sur l'Occident, quand les États-Unis et le commandant Perry arrivent pour mettre fin à la période d'isolation de l'époque Edo. Je survole très largement, hein. Et ce qui est plus intéressant à ce moment-là, en fait, c'est qu'au Japon, le genre littéraire le plus prisé, c'est la poésie. Donc, j'imagine que vous avez tous entendu parler du tanka ou du haïku. Mais à ce moment-là, en fait, les Japonais découvrent que la prose, le roman, a un statut tout à fait, comment dire, un statut d'art prisé en Occident, et découvrent justement le réalisme, le naturalisme, avec des traductions de Zola ou de Balzac. Et sous l'influence de Tsubo Chishoya, un critique et écrivain japonais qui écrit L'essence du roman en 1885, ce nouvel engouement pour le roman va en fait porter un coup au développement de la littérature de l'imaginaire parce que, d'après Tsubo Chishoya, la littérature sérieuse doit être naturaliste, réaliste, elle doit dépeindre les véritables émotions des personnages, décrire le réel au plus près de celui-ci. Et donc du coup, un roman, une œuvre qui aurait pour objet le futur ne pourrait se baser que sur l'imagination, l'imaginaire, et ne pourrait pas être réaliste. Donc, pendant un petit moment à cette époque, c'est surtout réalisme et naturalisme qui dominent. Cependant, bien sûr, les récits populaires existaient aussi à cette époque. Et les premières choses qui apparaissent comme de la proto-science-fiction au Japon sont des romans d'aventure, avec, par exemple, les récits d'une victoire gratifiante sur l'Ouest de Iwagaki Eshu, qui met en scène une île fictive de l'Extrême-Orient avec des guerriers qui se rassemblent pour aller punir l'envahisseur anglo-saxon. Donc, vous voyez, c'est imaginaire, mais en même temps basé sur des faits historiques. Le poète Sakuma Shosan écrit aussi en 1854 un promptu du 1er printemps 1854 et y apparaît un ballon dirigeable avant même que les œuvres de Jules Verne soient traduites en japonais. Donc j'en viens justement à Jules Verne et à son influence. Donc elle a été très marquante au Japon puisque beaucoup de ses œuvres ont été traduites presque immédiatement entre 5 et 10, 15 ans après leur parution en France par des fans, des lettrés, des écrivains, etc. qui s'en occupaient bout à bout. Donc il y a différentes traductions par différentes personnes. Et il a eu une énorme influence à ce moment-là. Donc, par exemple, le politicien écrivain Yano Ryuhei, qui écrit Les récits du château flottant, ou Kishiro Monogatari, qui décrit comment un orphelin rejoint deux anciens samouraïs, deux anciens bushis, qui projettent d'établir une nation indépendante à Madagascar, embarquent sur un bateau
très technologique pour l'époque, avec des armes, etc. Donc avec toute la, comment dire, toutes les nuances colonialistes, etc. De cette époque-là. Et donc l'influence de Jules Verne est déterminante au Japon à ce moment-là, dans la fin du 19e siècle. Après les romans d'aventure, ou à peu près à la même époque, fleurissent aussi beaucoup de romans politiques pendant une brève période, parce que après l'ouverture du Japon, se mettent en place des débats autour de la rédaction d'une nouvelle constitution, la création d'une assemblée nationale. Donc la première est promulguée en 1889 et l'assemblée constituée en 1890. Donc comme il y a beaucoup de débats autour de cette nouvelle constitution, les gens se rassemblent un peu partout, essayent d'exprimer leurs idées, et il y a de plus en plus de protestations qui voient le jour. Et le gouvernement essaye de censurer au maximum, d'empêcher ces rassemblements, ces manifestations. Et du coup, le roman politique devient le moyen, en utilisant un cadre futuristique, futuriste, d'exprimer les idées politiques à l'époque. Donc, je vous en cite uniquement un seul, mais il y en a eu plusieurs autres. Mais l'écrivain Soehiro Techo il en publie plusieurs, mais parmi eux, Fleurs de prunier sous la neige et Un rossignol au milieu des fleurs, entre 1886 et 1889. Donc, il décrit la découverte en 2040 de carnets de notes de l'ère Meiji, qui démarre en 1867, et qui décrit la vie d'un professeur et de son épouse, et toutes ces discussions autour de la création de la Constitution et d'une Assemblée nationale. Et c'est dans le premier, Fleurs de prunier sous la neige, qu'apparaît pour la première fois le terme de roman scientifique dans la préface d'Ozaki Yukio. Donc, à peu près fin du XXe siècle. En dehors des romans politiques et un petit peu à la manière de l'évolution en Occident en général, les romans d'aventure à la Jules Verne laissent peu un peu place aux romans de guerre, avec l'influence de Wells et La guerre des mondes qui est publiée en 1898. Il faut savoir qu'à cette époque-là, bah, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'imagine, mais le Japon se transforme peu à peu en empire. Il annexe la Corée, il annexe Taïwan, puis il va ensuite annexer la Mandchourie, une partie de la Chine, etc. Donc le Japon réagit un petit peu comme les États-Unis et les grandes puissances occidentales, c'est-à-dire construit une grande armée, une flotte maritime, etc. Et part un petit peu à la conquête de nouveaux espaces autour. Précédant la guerre russo-japonaise au début du XXe siècle, Oshikawa Shunlo écrit le navire de guerre sous-marin en 1900, qui a été adapté au cinéma sous le titre de Atragon en 1963. Donc vous pouvez aller voir par exemple des vidéos sur YouTube qui présentent un petit peu le film. Et Oshikawa est considéré comme le grand-père de la science-fiction japonaise, puisque dans le navire de guerre sous-marin apparaît justement cette espèce de sous-marin qui peut aussi voler, creuser, aller sous terre. Donc l'influence de Jules Verne est assez visible aussi. Mais au service justement de la guerre. Dans le roman, c'est une guerre entre le Japon et la Russie, alors que dans l'adaptation cinématographique, la Russie a été remplacée par l'Empire de Mu, pour donner un côté un petit peu plus fantastique à l'œuvre. En dehors donc de ces romans d'aventure, romans politiques pendant un temps et romans de guerre, peut-être la plus grosse influence et l'endroit où la science-fiction s'est le plus développée au Japon, ce sont les magazines et les magazines qui étaient dédiés aux romans détectives, aux romans policiers en général. Donc les Japonais en étaient très friands. Il y a eu plusieurs vagues de traductions d'auteurs comme Edgar Allan Poe ou Conan Doyle, Agatha Christie, etc. Tant et si bien d'ailleurs qu'un écrivain très célèbre au Japon qui s'appelle Hirai Taro a choisi un nom de plume qui est un peu un anagramme d'Edgar Allan Poe qui se prononce Edogawa Rampo et qui a publié énormément de choses en termes de romans détectives, romans policiers. Donc il y avait plusieurs revues à cette époque. L'une des plus célèbres, Shinseinen, qui se traduit par Nouvelle Jeunesse ou le Nouveau Jeune Homme, le Jeune Homme Moderne.
était un petit peu la mecque du roman détective à cette époque, qui s'appelait Tantei Shosetsu au Japon. Et ce roman détective, en fait, était classé, si on veut, en deux catégories. L'orthodoxe, Honkaku, qui représentait un petit peu toutes les histoires basées sur un crime, la résolution d'un crime, les enquêtes, etc. Et un genre beaucoup plus hétérodoxe, appelé Henkaku, insolite, qui mêlait à ce moment-là beaucoup de gadgets, d'éléments insolites liés au développement des sciences et des technologies, très souvent utilisés principalement pour la résolution de l'enquête, mais qui donnait un air un petit peu de science-fiction, de proto-science-fiction à ces romans détectives. En parallèle de Shinsengen, quelques années plus tard, Science Illustrée, Kagakugaho, qui popularise la recherche scientifique et qui publie à chaque numéro des nouvelles sérialisées. Donc, on retrouve des traductions d'Edgar Allan Poe et d'autres romanciers étrangers et d'écrivains japonais. Donc, à peu près tous les plus grands écrivains de romans détectives hétéroclites insolites proches de la science-fiction sont passés à ce moment-là par Shinsengen ou Kagakugaho, par exemple. Donc quelques auteurs d'avant-guerre, juste pour vous donner quelques noms, certains sont traduits. Unno Jusa, qui est considéré comme le père de la science-fiction japonaise et qui lui justement a énormément intégré d'éléments scientifiques et technologiques dans ses enquêtes policières, avec par exemple le démon vibratoire en 1931 et surtout le bain de musique à 18h en 1937. Alors malheureusement, je ne pense pas qu'il existe de traduction en français, mais pour ceux qui lisent l'anglais, le bain de musique à 18h est disponible en anglais. Et Yumeno Kyusaku, qui est l'auteur de Dogra Magura, qui lui a été traduit en français, est disponible chez Piquier, donc un roman très métatextuel, avec une histoire dans une histoire dans une histoire. Enfin, c'est assez complexe, avec un jeune homme qui se réveille dans un hôpital psychiatrique et qui se rencontre, enfin qui a perdu la mémoire et qui, en essayant de la retrouver au fur et à mesure avec l'aide de deux médecins, se rend compte qu'il en fait l'objet, il fait l'objet d'une expérimentation scientifique qui le force en quelque sorte à tuer les personnes qui sont autour de lui. Donc voilà un petit peu pour la façon dont la science-fiction a commencé à se développer avant la Seconde Guerre mondiale. Mais donc c'est surtout, comment dire, la science-fiction moderne telle qu'on la connaît, s'est surtout développée après la guerre et l'occupation américaine. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré les œuvres dont je vous ai parlé avant, il était moins question au Japon par rapport aux États-Unis de conquête de l'espace, il n'y a pas de magazine pulp comme aux États-Unis. Et tout ça arrive un petit peu au même moment, après la guerre. Donc la science-fiction la fiction spéculative, la fantasy, les histoires de monstres à la Godzilla, tout ça coexiste de manière très sereine et arrive de manière synchronique plutôt que diachronique. Même si, vous allez le voir, il y a quand même eu plusieurs étapes ensuite. Alors l'âge d'or de l'après-guerre passe forcément par la création de magazines dédiés. Alors SF Magazine, le premier magazine pour les écrivains professionnels de science-fiction, est créé en 1959. En 63, l'Association des écrivains de science-fiction et de fantasy du Japon voit le jour, je crois, 2 ou 3 ans avant son homologue aux États-Unis. Et il existe de très nombreux groupes de fans au Japon, donc qui sont disséminés dans toutes les préfectures, dans toutes les régions, qui créent des festivals, qui communiquent entre eux, écrivent, etc. Et donc de nombreux fanzines voient le jour, dont le plus célèbre reste Uchūjin, la poussière cosmique, qui a été publié de 57 à 2013. Donc, ça veut dire la longévité du fanzine. Donc vous connaissez tous, je l'indique juste en passant, les films de monstres qui apparaissent à partir du milieu des années 50 avec Godzilla de Honda Ichiro. Mais je voulais vous parler surtout des 4 grands écrivains de science-fiction japonaise de première génération et qui ont énormément influencé tous les auteurs qui sont arrivés après. Le premier, Abe Kobo, vous est probablement familier parce qu'il est traduit en français chez Piquier, mais ses traductions sont moins sur des œuvres proches de la science-fiction que des œuvres un petit peu kafkaesque, pardon, qui touchent à l'absurde, etc.
Mais il a été l'un des premiers écrivains au Japon dans l'après-guerre à écrire des essais pour promouvoir la science-fiction. Et c'est lui qui sort ce qu'on considère comme le premier roman de science-fiction japonaise moderne dans l'après-guerre, la quatrième période interglaciaire, en 1959. Je vous en reparlerai un petit peu après. En dehors d'Abe Kobo, il y a Hoshi Shinichi, qui, lui, s'est complètement spécialisé dans l'écriture de micro-nouvelles, qu'on appelle short short en japonais. Donc, qui sont très courtes, avec des protagonistes qui n'ont pas souvent de nom propre, donc souvent des archétypes, la monnaie n'est pas mentionnée. Enfin, c'est des petites œuvres, des petits contes qui peuvent être appréhendés de manière assez universelle et qui fonctionnent souvent sur un développement qui se termine sur une petite chute, un renversement de perspective finale, qui soit humoristique, soit un petit peu plus noir. Et les éditeurs Omake ont sorti en début d'année, il me semble, le recueil que vous pouvez voir à l'écran, Boko-chan, qui est l'une de ses premières nouvelles, l'une des plus célèbres au Japon. Donc, qui sont disponibles aussi en français si vous souhaitez les découvrir. Après Abe, Hoshi, c'est Komatsu Sakio, qui est peut-être le plus connu au Japon. Grâce à son roman La submersion du Japon en 1973, qui a été un best-seller immédiat et dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, et qui a été traduit aussi en français, donc peut-être certains d'entre vous l'ont déjà lu, je crois qu'il était sorti dans la fin des années 70 et a été réédité chez Piquet dans les années 2000 peut-être. Et finalement, Tsutsui Yasutaka, qui est le seul encore en vie d'ailleurs au Japon, qui est extrêmement célèbre aussi, qu'on connaît plus en France. Il y a quelques traductions, mais on le connaît plus à travers ses adaptations en animé, notamment la Traversée du Temps, Tokyo Kakeru Shoujo, et Paprika, qui avait été adapté par Kon Satoshi. Donc ces quatre personnages-là sont vraiment les plus grands, les auteurs les plus célèbres de science-fiction au Japon de première génération. Après eux sont arrivés des écrivains inspirés par la nouvelle vague, principalement par Ballard, Aramaki Yoshio ou Kawamata Chiaki, et qui se tournent donc eux aussi plutôt dans l'exploration de l'univers psychologique, psychique, le moi, etc. Très influencés par le surréalisme, par Salvador Dali, par André Breton, etc. Donc qui ont écrit des choses très intéressantes, pas souvent faciles à lire. Aramaki Yoshio avait notamment participé quand il était plus jeune, juste avant ses premières œuvres, pardon, à des expérimentations avec le LSD, ce qui l'ont beaucoup beaucoup persuadé à écrire sur le monde psychologique. Et peut-être la période la plus célèbre en ce qui concerne le Japon, alors que c'est pas, comment dire, c'est pas un mouvement qui a connu un tel succès dans l'archipel à ce moment-là, le cyberpunk, dans les années 80-90. Le cyberpunk a été plutôt décliné au Japon en manga ou en animé. Je pense à Gun de Kishiro Yukito ou Ghost in the Shell de Shirou Masamune, par exemple. Mais quelques écrivains se sont aussi emparés de l'imaginaire cyberpunk, et notamment Masaki Gorō, dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure, avec Venus City en 1992, qui a été un peu nommé malgré lui d'ailleurs le Gibson japonais au Japon. Une autrice, Ohara Mariko, un autre auteur, Kanbayashi Chohei aussi, qui reprennent un petit peu les codes du cyberpunk en les renouvelant d'ailleurs de diverses manières. Je pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Après la vague cyberpunk, on arrive à la fin du 20e, début du 21e. Ce qu'on appelle la Zero Nendai, les années 2000 au Japon. Le Japon était rentré un petit peu dans une période de récession économique, enfin une grosse période de récession économique dans les années 90, qui a suivi un petit peu aussi dans les années 2000. On parle souvent d'une décennie, voire de 2 décennies perdues. Et l'industrie de la science-fiction, l'engouement pour la science-fiction diminue assez drastiquement, comme si les gens avaient l'impression, à cette époque-là, beaucoup de critiques expliquaient que la réalité avait déjà rejoint la fiction et que la science-fiction n'avait donc plus grand-chose à dire. Et les éditeurs sont mis à essayer de trouver des parades,
L'une des premières, ça a été l'essor des light novels, qui sont en quelque sorte, pas tous, hein, d'ailleurs, c'est assez divers, mais ce sont des œuvres qui sont plutôt young adultes, orientées vers des lycéens ou des étudiants, qui sont sérialisées comme les mangas dans des magazines de prépublication, qui sont souvent en partie illustrées d'ailleurs, et qui sortent ensuite sous forme de format poche, par exemple, et qui sont devenus extrêmement populaires parmi les jeunes. Donc, on peut citer Noziri Hosuke, et peut-être un écrivain que vous connaissez, Ubuka Tatō, qui est plutôt connu pour ses adaptations en animé en France, peut-être, avec Murdock Scramble en 2003. Et de l'autre côté, quelque chose qui a été nommé par le rédacteur en chef de SF Magazine, donc le magazine des écrivains professionnels au Japon, de la real fiction, à savoir une fiction qui n'est pas si futuriste et qui s'intéresse plutôt à des thèmes proches de la réalité, en le déformant un peu, mais qui tourne beaucoup autour de la guerre, du jeu vidéo, de l'intelligence artificielle, des big data, de notre place justement dans la société de l'information. Par exemple, Tobihiro Taka, j'avais traduit une de ses nouvelles pour Galaxy, donc... On va en discuter aussi. Ito Keikaku, qui est connu aux États-Unis et en France sous le nom de Project Ito, qui a écrit Organe génocidaire, Génocide de l'organe, et Harmonie, entre autres, qui sont tous deux traduits. Je crois qu'Harmonie était sorti chez Panini Comics, et Génocide de l'organe est paru récemment, me semble-t-il. J'ai perdu le nom de l'éditeur. Et des personnes comme Fuji Taiyo qui connaissent un grand succès en ce moment au Japon. Donc voilà un petit peu pour vous donner le contexte, la façon dont la science-fiction un petit peu est apparue au Japon, s'est développée et sur quoi on aboutit. Je voulais vous expliquer, vous donner un petit peu ces détails pour revenir sur quelques auteurs dont je vous ai parlé et rejoindre un petit peu la thématique justement du motif de la catastrophe avec le premier roman donc de science-fiction moderne au Japon, La quatrième période interglaciaire d'Aion Kampyoki d'Abe Kobo. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que les œuvres dont je vais vous parler à présent, en fait, ont été écrites entre donc 1959 et 2013, pratiquement, et toutes reprennent plus ou moins le même motif. Elles établissent un petit peu un dialogue entre elles, chacun tirant puisant son inspiration des œuvres précédentes et en essayant d'apporter une nouvelle perspective, un nouveau point de vue à ce motif de la catastrophe, sachant que comme vous le savez, le Japon est quand même très souvent ballotté par les éléments typhon, séisme, tsunami, etc. Donc c'est un motif qui réapparaît de manière naturelle. Alors, la quatrième période interglaciaire, il est d'abord sorti sous forme de série dans le journal Le Monde, Sekai en japonais, entre 58 et 59, en pleine période de guerre froide. Et à titre de comparaison, 2 ans plus tôt, en 56, Philip K. Dick sortait Minority Report, sa nouvelle dans Fantastic Universe. Vous allez voir, il y a quelques liens avec le récit de Abe. Donc à cette époque, le Japon, il sort d'une période entre 45 et la fin des années 50 où s'affronte un peu l'idéologie libérale des États-Unis, avec la création au Japon du Parti libéral, du Parti démocrate, plutôt centre-droit, et une idéologie socialiste, communiste, plus modérée qu'en URSS ou en Chine, bien entendu, mais qui apparaît un temps comme une alternative possible à la démocratie libérale et au capitalisme. À ce moment-là, c'est aussi un petit peu l'arrivée de la cybernétique et de la théorie de l'information dans les sciences humaines, qui applique donc les concepts non plus aux machines, mais aux organisations sociales, aux entreprises, à l'économie, etc. Et donc de ce point de vue, c'est pour vous expliquer un petit peu, avant de vous faire le synopsis, l'influence qu'a pu avoir la cybernétique à ce moment-là, c'est que quantifier sous forme d'information, en gros, le comportement d'un système clos, ça peut être un système social ou un système économique,
peut être non seulement observé, mais il peut être prédit, voire contrôlé, si on dispose de suffisamment de données. Et par exemple, les travaux du père de la cybernétique, Wiener, ont été immédiatement traduits au Japon par un de ses anciens étudiants au MIT, qui était japonais, et donc ont été disponibles très rapidement dans l'archipel. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le roman d'Abbé se pose un petit peu comme une réflexion, un avertissement sur les dangers inhérents à ce type de prédiction sur le futur, qu'elle émane d'une idéologie communiste ou capitaliste, en montrant que ces prédictions, aussi neutres qu'elles se veuillent et qu'elles puissent paraître, sont finalement performatives et influent immanquablement sur le futur. C'est-à-dire qu'elles se transforment un petit peu en contraintes, voire même en nécessités qui orientent l'action et qui empêchent finalement d'imaginer une autre alternative, un futur différent. Le roman commence avec la description d'un gigantesque tsunami qui approche les côtes du Japon. Et le personnage principal, Katsumi, c'est un ingénieur qui est impliqué dans la création d'un supercalculateur japonais qui est construit en réponse à la machine soviétique Moscou 1, censée prédire des événements du futur proche, alors en termes météorologiques, économiques, etc. Abe, lui, là, à ce moment-là, il s'inspire aussi de la réalité, puisqu'il était allé visiter NTT, le japonais Nippon Telegraph and Telephone Corporation, qui avait construit à l'époque Musashino 1, un supercalculateur au Japon. Le problème, c'est que dans le roman, les Soviétiques dévoilent immédiatement Moscou 2 et annoncent que la machine a prédit l'effondrement du dernier État capitaliste 84 ans plus tard. Forcément. Les États-Unis et le Japon, qui sont également alliés dans le roman, condamnent d'une même voix l'instrumentalisation de la science au service de l'idéologie communiste et déclarent renoncer à utiliser ce genre de supercalculateur pour prédire des événements politiques à venir. Alors, dans un premier temps, justement, le roman apparaît adresser une critique à l'Union soviétique et plutôt à la croyance en l'avènement d'une révolution communiste mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du développement de la narration, il devient une critique tout aussi acerbe de l'idéologie capitaliste. Puisque la menace en fait du tsunami, qui est décrite uniquement en introduction de manière brève, s'avère être un fragment d'une prédiction calculée par la machine japonaise, malgré l'interdiction imposée par le gouvernement. Et d'après cette prédiction, la menace qui pèse sur le monde ne vient pas d'une révolution communiste à l'échelle mondiale, mais de l'avènement, de la survenue d'une quatrième période interglaciaire au cours de laquelle toutes les terres seraient submergées par les océans. Et donc la prédiction indique aussi l'apparition d'une société subaquatique un petit peu utopique où l'humanité survivrait à la montée des eaux. Alors après, on comprend que c'est un biologiste du nom de Yamamoto qui s'est servi en secret du supercalculateur, qui a aussi développé, voyant la prédiction, un projet d'ingénierie génétique visant à créer justement ces mammifères marins capables de travailler dans des colonies sous-marines en utilisant des fœtus humains provenant d'avortements. Et ce projet, bien sûr, n'a jamais reçu l'aval du gouvernement japonais. Au contraire, il est financé par une société privée qui regroupe hommes d'affaires, bureaucrates, etc. Donc, qui est plus proche de l'idéologie capitaliste que de l'économie planifiée communiste. Et on apprend notamment sur la fin que ces espèces de transhumains aquatiques, qu'il appelle Aquan, ressemblent en fait à des esclaves qu'on force à travailler dans des usines sous-marines. Ils sont tous atteints d'un défaut génétique comment dire, qui modifie, enfin, qui réduit leur vie émotionnelle, si bien qu'ils sont incapables de rire, de pleurer, et on ne leur apprend rien d'autre que les rudiments scientifiques et d'ingénierie pour la survie subaquatique, rien à propos de leurs origines, de leur histoire, etc. Et donc en fait, comment dire, la réflexion d'Abbé est plutôt celle de quelqu'un qui essaye de s'écarter de ces deux idéologies, alors qu'il était plutôt de tendance de couleur gauche, mais qu'en gros, toute vision, toute prédiction utopique se transforme très facilement en dystopie dès que l'humain s'en mêle.
Et donc, dans ce premier roman, le motif de la submersion des terres, et non seulement du Japon, mais du monde finalement, par un tsunami, apparaît dès 1959. Et il y est déjà associé à l'imaginaire cybernétique informatique que le cyberpunk popularisera bien plus tard. Et la question de l'adaptation est déjà posée en termes de manipulation génétique. Donc, je vais en venir maintenant au best-seller de Komatsu Sakio, qui ne s'inspire pas particulièrement d'Abe Kobo, mais revient sur le motif identique. Et donc, je crois que vous connaissez peut-être déjà l'histoire de la submersion du Japon en 1973, où Komatsu, lui, s'appuie plutôt sur la théorie des... de la tectonique des plaques, qui a été modélisée, bon ça a pris du temps, mais qui a été modélisée dans les années 60 et qui est devenue très populaire au Japon. Donc il se sert un peu justement des effets de subduction, du fait que le Japon se trouve entouré de différentes plaques, etc., pour imaginer ce scénario catastrophique dans lequel le Japon est englouti sous les eaux suite à un mouvement anormal du manteau terrestre. Alors, comme dans le roman d'Abe, une simulation est aussi mise au point par un géographe qui indique que le Japon sombrerait vraisemblablement en 2 années. Il s'avère que le processus s'accélère et qu'en fait, il reste moins de 10 mois avant l'inéluctable. Et donc, du coup, si vous voulez, le roman de Komatsu, à la différence d'Abe, qui était peut-être un petit peu plus sur une réflexion intellectuelle, lui... il y a une réflexion intellectuelle, bien sûr, aussi, mais il se construit autour de deux niveaux, c'est-à-dire le niveau géophysique, parce que le processus est expliqué avec énormément de détails. Il a mis 9 ans pour écrire ce roman. Il y a des schémas, des diagrammes, c'est très fouillé, c'est extrêmement précis. Mais ces processus géologiques détruisent le Japon uniquement. Le monde n'est pas en danger, seul le Japon va sombrer. Et le deuxième niveau, c'est le point de vue social, c'est-à-dire que le roman décrit aussi avec minutie les réactions sociales, les réponses politiques face à l'ampleur de la catastrophe à venir. Donc il est notamment question du devenir des Japonais, comment évacuer 100 millions de personnes dans le contexte géopolitique de l'époque. Donc une commission spéciale est créée et elle propose notamment de diviser la population en 3 groupes, ceux qui seraient à même de reconstruire une nation s'ils avaient accès à de nouvelles terres ailleurs, on parle de quelque part en Afrique, ceux qui s'assimileraient aux populations dans les pays dans lesquels ils ont trouvé refuge et ceux qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas vivre ailleurs parce que le Japon est trop cher à leurs yeux et sombreraient avec le pays. Donc il montre un petit peu toutes ces négociations à l'international, notamment aussi la montée de mouvements anti-japonais qui prennent naissance un petit peu partout parce qu'il y a énormément de monde et qui font penser à cette résurgence du péril jaune qui réapparaît ça et là dès qu'il est question de la Chine ou du Japon. Alors, Komatsu explique, c'est peut-être le plus intéressant, dans la préface de la nouvelle édition de 1995, qui paraît juste après le grand séisme de Kobe, que lui voulait s'interroger un petit peu sur le Japon, sur ce qui se passait dans l'après-guerre, s'il fallait se satisfaire de ce que le pays était devenu, de ce qu'il était avant et de ce qu'il était devenu après. Donc il pointe un petit peu du doigt le fait que la réussite japonaise, parce qu'à ce moment-là, l'essor économique est fulgurant, la croissance à 2 chiffres, etc., se poser la question justement, est-ce que cette réussite ne sera pas elle non plus éphémère? Et puis cette modernisation, pardon, et cette américanisation de la société, est-ce qu'elle ne fragilise pas non plus la présence physique et culturelle du Japon dans le monde? Donc il y a des tensions, vous savez peut-être que justement une forme de nationalisme réapparaît à peu près à ces moments-là, il y a le suicide très médiatique de l'écrivain Mishima Yukio en 1970, qui pensait que la société moderne était devenue stérile et voulait revenir à une société de guerriers un peu plus martial, culte du corps, etc. Et la période connaît aussi un regain d'intérêt pour les théories qu'on appelle les théories sur la japonité, qui s'intéressent à la spécificité de l'identité et de la culture japonaise, le fait que le Japon soit une île, que la collectivité soit plus importante. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir
un écho parmi les Japonais, mais qui sont quand même très stéréotypés. Et donc, Komatsu, lui, il envisage l'identité japonaise en termes culturels plutôt que national. Et même s'il semble respecter un petit peu cette idée selon laquelle certaines personnes préféreraient sombrer avec leur pays plutôt que vivre un peu à la manière de la diaspora du peuple juif, lui, il imagine plutôt une société japonaise en diaspora, justement, regroupée autour d'une mémoire, d'une culture commune. De ce point de vue, ce qui est intéressant avec la submersion du Japon, c'est qu'elle met un petit peu le doigt sur la complexité de la situation japonaise. C'est-à-dire que c'est à la fois un moment post-impérialiste, puisque le Japon a été victime de l'impérialisme occidental, comme je vous le disais, dans le début de la seconde moitié du 19e, mais il est aussi devenu une puissance impériale. Et puis en même temps, c'est un peu une réflexion postcoloniale, puisque lui aussi a été forcé à s'ouvrir et est devenu une puissance coloniale en Asie en annexant la Corée, Taïwan, une partie de la Chine, etc. Donc cette situation un petit peu complexe du Japon se retrouve dans la manière dont Komatsu présente un petit peu le rapport des Japonais à leur pays, à leur archipel. Il explique aussi d'ailleurs dans la préface en 1995 que au moment où le roman était sorti en 1973, il avait eu des retours de journalistes et d'experts qui trouvaient inadmissible de s'amuser ainsi à faire peur aux gens, qu'il était complètement impossible qu'une chose pareille puisse arriver au Japon, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que justement cette préface, elle est écrite après le séisme de Kobe. Et donc, le journaliste, c'était surtout ce qui l'avait choqué, c'était par exemple les autoroutes qui s'étaient complètement effondrées dans le roman, etc. Et c'est ce qui s'est réellement passé à Kobe, c'est-à-dire que les autoroutes qui reliaient Kobe à Osaka et Kyoto, qui sont en plus surélevées, se sont renversées, etc. Donc, Komatsu, dans sa réflexion, indique justement que le Japon demeure un archipel de séisme et que c'est une situation à laquelle, malheureusement, les structures politiques et sociales sont toujours bien impuissantes. Si bien que, en gros, le récit de la submersion du Japon n'a pas trouvé sa conclusion, n'est pas terminé selon lui. Et effectivement, en 2011, apparaît à nouveau le tremblement de terre du Tohoku, le tsunami, l'accident de Fukushima, etc. Donc comment dire, le motif de la submersion du Japon et le roman de Komatsu provoquent toujours un écho particulier au Japon. Il reste peut-être pas trop de temps, je vais peut-être pas aller trop en profondeur sur le reste, mais je voulais vous parler très rapidement de Tsuyu Asataka, qui a écrit la même année, juste après l'apparition de la submersion du Japon, une nouvelle dont Komatsu a approuvé la création, qui s'appelle Nihon Igai Zenbu Chimbotsu, le monde coule, le monde sombre, sauf le Japon. Donc il prend un petit peu le rebours du roman de Komatsu. Tous deux, d'ailleurs, obtiennent le Grand Prix des lecteurs de science-fiction japonaise la même année, dans la catégorie roman pour Komatsu, dans la catégorie nouvelle pour Tsutsui. Et Komatsu rigole un petit peu, justement, en expliquant lors de son discours qu'il lui a fallu 9 ans pour obtenir ce prix, et que Tsutsui l'a obtenu en écrivant une nouvelle en quelques heures. Et comme son titre l'indique, c'est les continents qui sombrent les uns après les autres, et les gens se réfugient dans le seul endroit émergé, c'est-à-dire le Japon. Ça se passe bien au départ, et ce sont souvent des gens fortunés, des acteurs, des chanteurs, des politiciens qui arrivent. Et rapidement, un sentiment de xénophobie apparaît. Les étrangers, qui sont appelés de manière un peu péjorative au Japon, gaijin, deviennent des citoyens de seconde zone, pauvres, sans emploi, discriminés. Une force d'intervention anti-étranger est créée. Les stars hollywoodiennes, se prostituent, deviennent des figurants dans des films où ils se font massacrer par des monstres à la Godzilla. Les anciens dirigeants politiques se transforment en courtisans du gouvernement japonais. Il est vite question d'immigration sélective, de bons ou de mauvais étrangers et de déportation. Donc Tsutsui,
un petit peu comme Komatsu, mais de manière beaucoup plus sarcastique, dénonce un peu le sentiment nationaliste ou raciste qui peut exister dans l'archipel, et par extension, ce qui existe partout dans le monde. Et il en profite pour mettre le doigt sur des sujets brûlants, comme les relations avec la Chine ou la Russie, au niveau de territoires qui sont encore disputés, les relations avec la Chine et la Corée, avec le problème des femmes de réconfort recrutées par l'armée impériale japonaise, les crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Et finalement, dans la nouvelle, le monde sombre entièrement, le Japon lui aussi, l'humanité disparaît et le problème est réglé. Donc voilà, je voulais vous parler encore d'autres choses, la manière dont notamment la destruction du Japon a lieu de manière virtuelle dans Venus City de Masaaki Gorō, et comment la submersion du Japon devient à nouveau plutôt comme Abe, la submersion du monde dans une espèce d'éco-fiction par Ueda Sayuri, très intéressante. Mais comme j'ai l'impression qu'on manque un petit peu de temps et que je parle trop, je vais peut-être m'arrêter là. Voilà, ouais, je vous remercie. Tu peux encore continuer un petit peu si tu veux. Ouais, Denis. Dis-moi selon. Bah, je là, t'as parlé des catastrophes et comment ça a été perçu, on va dire, en 1973, parce que tu t'es arrêté un peu en 1973. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as quelque chose de récent qui ferait intervenir un peu de technologie ou des choses comme ça? Ben, en technologie, donc je voulais vous parler, enfin parler à tous de... je vais revenir sur... Hop. En termes de technologie, le truc de Venus City de Masaaki Gorō, c'est que c'est un des rares écrivains de cyberpunk, entre guillemets, au Japon. Lui, il imagine plutôt un monde où, bah, comme vous le savez, c'est-à-dire que le Japon, dans les années 80-90, il apparaît dans la littérature anglo-saxonne, le cyberpunk, comme celui qui domine la microélectronique, l'informatique, etc. Et au moment où Venus City paraît, il me semble en 92, il y avait un article de Newsweek qui décrivait les Japonais comme les Terminators économiques du futur. Enfin bref, le Japon allait dominer le monde, dépasser les États-Unis, etc. Donc du coup, ça créait une fascination autant que de l'effroi par rapport à cette puissance. Dans Venus City, par exemple, c'est un Japon très high-tech, mais qui est complètement renfermé derrière ses frontières insulaires. L'économie nord-américaine et européenne s'est effondrée. Les gens émigrent un petit peu de partout, en Europe de l'Est, en Afrique, etc. Certains essayent de rentrer sur le Japon, mais les frontières sont fermées et seuls quelques élus peuvent entrer. Et en gros, le Japon domine le monde du point de vue virtuel, c'est-à-dire que toute la production est faite en dehors des frontières du Japon, mais c'est eux qui maîtrisent l'information, les données, etc., et qui dirigent un peu tout. Et le roman se passe à Tokyo. Les Japonais sont très racistes, etc. Ils voient d'un très mauvais œil l'arrivée d'étrangers. Et il y a aussi une espèce de district virtuel qui s'appelle Venus City, auquel les gens se connectent sous forme d'avatar, peuvent ressentir douleur, plaisir, physique, etc. via leur avatar, et de manière anonyme. Et le personnage principal, Sakiko, c'est une jeune femme qui travaille dans une grosse boîte de big data, et son boss est américain, c'est un blanc. Elle le déteste, elle le méprise. Et pourtant, en fait, elle apparaît dans Venus City sous les traits d'un jeune homme androgyne à la peau blanche. Et il s'avère que son supérieur, lui, est victime de chantage et forcé à apparaître dans Venus City sous les traits d'une jeune femme à l'allure d'une poupée japonaise très soumise et qui subit harcèlement psychologique, physique, sexuel, etc. Et Sakiko sauve Jim, qu'elle croit être une jeune femme dans Venus City, essaye de l'aider, entame une relation intime avec elle, mais donc avec lui, essaye de le sauver. Donc tous deux vont comprendre un petit peu, vont reconnaître qui ils sont au fur et à mesure, et ils comprennent qu'en fait il y a un groupe terroriste qui cherche à récupérer des données confidentielles via Jim pour contrôler le réseau virtuel de Venus City et faire apparaître la réalité virtuelle comme la réalité à tous les Japonais qui y sont connectés, et ainsi déstabiliser le pays, etc., et renverser un petit peu l'hégémonie japonaise sur le monde. Donc en gros, c'est un petit peu reprendre la submersion du Japon
en termes géophysiques, de manière virtuelle, en gros, effacer de manière virtuelle le Japon de la carte du monde. Ah ouais, c'est assez intéressant parce que du coup, alors bon, moi je suis géophysicien de métier, du coup c'est vrai que c'est intéressant toutes ces catastrophes, mais j'ai l'impression que finalement, dans l'histoire du Japon, j'imagine que les tremblements de terre, ça a quand même occupé pas mal l'esprit. Et finalement, l'arrivée dans la littérature de science-fiction, je ne sais pas, d'après ce que tu as présenté, ça vient hyper tardivement. Oui, bah, il faut dire, je parlais un petit peu de la proto-science-fiction au Japon, donc quelque chose qui ressemble un petit peu à la science-fiction moderne, mais il existait déjà, peut-être moins sur les tremblements de terre, mais on peut le voir, qu'est-ce que je pourrais vous dire, par exemple, les Gesaku, qui étaient des, comment dire, des œuvres très populaires, méprisées par les lettrés, bien sûr, comme d'habitude. Mais qui justement orientait le focus sur l'action, les dialogues, etc., et qui reprenait beaucoup de choses traditionnelles, fantastiques, etc. Et on le trouve aussi, donc il y avait les Gesaku comme ça dans la littérature, et on le trouve un petit peu avec le théâtre de poupées, Gunraku, qui étaient des arts populaires à la base. C'est devenu maintenant des arts un peu traditionnels qu'on croit très, très. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc spectaculaire, etc. Et qui était plus orienté, il me semble, sur le fantastique avec les fantômes, etc. Que effectivement sur les catastrophes naturelles qui pouvaient avoir lieu. C'est peut-être venu avec le fait qu'on a commencé, tu as mentionné la théorie de la tectonique des plaques qui est arrivée dans les années 60, c'est peut-être à partir du moment où on a commencé à donner une explication peut-être au tremblement de terre que du coup, il y a eu un virage peut-être, si je Je puis dire ça. pense, je pense, parce que le motif du tsunami, bon, on le retrouve d'ailleurs en parlant de culture populaire dans les estampes de Hokusai avec la grande vague, etc. Donc c'est quelque chose qui existait déjà, mais je pense qu'il était plutôt représenté sous forme artistique, un art populaire d'ailleurs avec Hokusai et la manga. Hein, c'est-à-dire les estampes, c'était quelque chose que les grandes écoles de peinture bouddhiste, etc., méprisaient, et qui est devenu un peu traditionnel sous l'influence de l'Occident et du japonisme à la fin du 19e. Mais donc le motif était présent, mais pas, je pense pas à ce point dans la littérature. Même si, D'accord. encore une fois, je parlais un petit peu de l'art le plus élevé au Japon, la poésie, et effectivement, toute la poésie japonaise, le tanka, le haïku, est complètement articulé autour de la nature, du passage des saisons, de la façon dont la nature réagit selon les éléments. On partirait sur un peu autre chose, mais je veux dire, le motif était présent, mais sur une littérature ou quelque chose de plus imaginaire, non, je pense que c'est vraiment à partir du moment effectivement où les théories scientifiques ont commencé à se mettre en place, à essayer d'expliquer ce qui se passait, qu'il y a eu cet engouement d'intégrer ce point de vue dans des œuvres un peu proches de la science-fiction. Alors c'est très intéressant en fait tout ça, parce que il y a un parallèle avec la communauté scientifique qui se développe et puis du coup comment ça s'inscrit dans la littérature. Alors j'ai remarqué que dans ta conférence, tu parles toujours du Japon, mais en fait on a l'impression que c'est toujours très très auto-centré, donc moi je connais pas trop la culture japonaise, mais ils ont jamais écrit des romans où la science-fiction par exemple, ça pouvait être cheval de bataille, c'était l'exploration, aller découvrir ce qui se passe ailleurs et puis imaginer des. Si, si, bien Je sûr, sais pas. bien sûr. Non, non, Ah. là c'était un choix, moi, comme on parlait de Terre 2.0, de reboot, je trouvais ça D'accord. intéressant de voir un petit peu la manière dont la catastrophe, l'anéantissement d'un pays, que ce soit vraiment géophysique ou virtuel, etc., ou de l'écofiction à partir du C'est vrai. 21e siècle. Mais non, il y a vraiment de tout, hein, l'exploration spatiale, space opéra, la science-fiction hardcore, même si, de mon point de vue, je ne pense pas que la science-fiction hardcore soit la plus représentée au Japon. Alors c'est très difficile de le dire, hein, je ne voudrais pas paraître définitif parce qu'il y a énormément de choses. Et à la différence des librairies chez nous, en Europe, aux États-Unis en général,
Il n'y a pas vraiment de coin en librairie classé science-fiction, ni même classé en sous-genre. En général, c'est classé selon les éditeurs. Et les écrivains ont des contrats avec différents éditeurs, ce qui fait qu'on peut en retrouver un petit peu de partout dans les librairies, que c'est difficile de mettre la main sans connaître un petit peu ou sans avoir quelqu'un qui nous aiguille en nous expliquant bah, tiens, il faut aller voir dans ce coin où il y a tel auteur, etc. Sinon, c'est un peu compliqué. Mais science-fiction hardcore, exploration, il y en a beaucoup aussi. Mais du coup, ça serait quoi comment on dit, la motivation pour aller explorer en dehors du Japon? Est-ce que ça pourrait pas être justement le fait que le Japon soit submergé et voué à disparaître, d'aller explorer? Aussi, je pense que c'est un peu lié au contexte géopolitique selon les époques aussi, hein, parce que je parlais tout à l'heure justement d'ouverture du Japon sur l'Occident. Les premiers romans d'aventure qui sont des romans d'exploration, justement, sont plutôt des romans d'exploration colonialiste. Je veux dire, c'est vraiment aller découvrir des terres, s'étendre, avec un truc un petit peu, justement, le côté merveilleux de découvrir. Le côté merveilleux, mais aussi de l'époque. Tu connaissais un petit peu justement la manière de voir les peuples primitifs qu'on pourra coloniser, éduquer, etc., et très probablement utiliser à des fins productives. Alors que peut-être que c'est plutôt à partir des années, de la fin des années 90, début des années 2000, je parlais des light novels, qui ont eu un gros succès auprès des jeunes japonais. Et qui eux partent vraiment dans tous les sens. Hein. Ça peut très bien avoir des teintes un peu fantasy, des teintes space opéra, rencontres avec des aliens, établissement de l'humanité en dehors du système solaire, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Il me semble que notamment un des écrivains de science-fiction, celui qui est actuellement le président de l'association, écrit justement beaucoup de choses. Dans ce type, exploration d'un système avec un trou noir à son centre, l'humanité s'est vraiment étendue à d'autres systèmes, etc. Ça existe aussi, c'est populaire. D'accord, alors j'ai une question qui arrive. Est-ce que finalement la SF ne se retrouverait pas un peu dans les mangas de nos jours? Ah si, si, c'est même pas uniquement de nos jours, parce que on pourra en parler très longuement, mais entre justement la montée de l'impérialisme dans les années 30, où on voit encore des écrivains du type Unno Giusa, dont je vous parlais, qui font du roman détective un peu hétérodoxe, avec des éléments soit fantastiques, mais du gadget un peu technologique. Le problème, c'est que la science-fiction se fait vite censurer, à moins de suivre l'idéologie impériale et militariste. Donc, il n'y a plus grand-chose qui se passe, en fait, à partir de 1933-34. Pendant la guerre, rien du tout. Et si on regarde bien au lendemain de la guerre avec l'occupation, là, je vous parlais d'Abe Kobo, donc c'est vrai que je suis resté plus sur la science-fiction littéraire, mais en fait, c'est surtout le manga qui comble le manque. C'est-à-dire que Tezuka arrive très rapidement. Et il y a toute une vague Nagaego, etc. Et beaucoup, beaucoup d'œuvres qui sortent à cette époque, c'est des œuvres de science-fiction. Et on le voit d'ailleurs un petit peu pour ceux qui ont connu l'époque justement de l'arrivée des animés en France, c'est que la plupart des œuvres qui sont arrivées à la fin des années 70, entre Goldorak, Cobra, j'ai du mal à rechercher maintenant. J'étais moins sur les mangas, mais je veux dire, c'est la science-fiction. Au Japon, doit énormément au manga dans les années 50, 60, 70. Les écrivains de science-fiction côté littéraire côtoyaient énormément les mangaka à cette époque. Il y en a encore qui font d'ailleurs partie de l'association des écrivains de science-fiction et de fantasy. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure un petit peu entre les deux, mais qui s'est produite plutôt aux alentours des années 70-80. Donc non, la question est juste. Hein. Déjà, le manga a eu une énorme influence sur le développement de la science-fiction au Japon dans l'après-guerre, et depuis, ça s'est jamais démenti. Hein. Ça continue encore. Les plus grands titres sont soit côté science-fiction, soit fantasy, sont extrêmement populaires. C'est vrai. Et c'est ce qui explique d'ailleurs aussi la popularité un peu des light novels,
qui reprennent un petit peu les codes des mangas, qui s'inscrivent un peu dans ce média mix. D'ailleurs, en général, on pense plutôt à un concept à la base en disant, tiens, ça pourrait faire l'objet d'un light novel, d'un manga, d'une adaptation animée. Donc non, ouais, c'est très juste, hein, la science-fiction dans le manga est très importante. Ok, il nous reste 5 petites minutes avant la fin. Je vais te laisser. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour conclure ta présentation? Je voulais parler un petit peu d'éco-fiction, mais je sais pas si pour terminer ce sera C'est peut-être un peu long. ce sera peut-être un petit peu long. Ouais, non, mais tu parlais justement, bah, pour terminer, juste ça fera un petit peu la boucle avec Abe Kobo et en même temps avec la question sur les mangas et les animés, parce que je crois que justement la submersion du Japon fait l'objet d'un animé là qui va sortir sur Netflix en juillet, me semble-t-il. D'ailleurs, ça me fait penser aux deux romans que tu as mentionnés, ça me fait penser un peu au film 2000, c'était quoi, 2012. En fait, Oui, on retrouve tout, submersion, plaque tectonique, c'est mouvement, ça, effondrement. c'est ça. Le truc qui est intéressant avec surtout avec la submersion du Japon, c'est que normalement dans les films un peu catastrophes hollywoodiens, comment dire, il y a une espèce quand même de tension quoi. Il y a un protagoniste, il faut sauver des gens. Je veux dire, des gens vont être sauvés même si c'est pas tous les gens. À l'époque, quand Komatsu il sort La Submersion du Japon, c'est vraiment une élégie. Le film a été adapté, le film, pardon, le roman a été adapté, et ça se voit sur les deux adaptations. La première date de 73, d'ailleurs, la même année, je crois, et la deuxième de 2006, qui est un petit peu plus hollywoodienne, où finalement quelqu'un arrive à sauver les meubles in extremis. Donc 90% du Japon est submergé, mais il reste un petit peu de terre. Les Japonais sont pas voués à se réfugier ailleurs, etc. Il y a un petit espoir de reconstruction derrière, mais dans la submersion du Japon, c'est triste. C'est vraiment un peu comme si c'était la disparition du Japon traditionnel. C'est le mont Fuji qui explose. C'est Ah. la disparition des temples très connus à Kyoto. Enfin, je veux dire, un à un, les grands sites, toutes les choses qui évoquent un petit peu d'émotions au Japon disparaissent les unes après les autres, et c'est inéluctable. Je veux dire, il n'y a aucun sens de quelqu'un va venir sauver, va venir comment dire, empêcher la destruction ou les gens de mourir. C'est inéluctable. Ouais, super, merci Denis. Est-ce que pour une dernière rapide question et après Oui, bien sûr. on clôturera, est-ce que tu pourrais nous recommander un ouvrage ou quelque chose si on veut en savoir plus ou qu'est-ce qui sur En quel sujet? français? Ah bah j'imagine préférentiellement ou en anglais s'il y a des gens qui sont bilingues ou en japonais. Non, mais je comprends jamais. En français, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses sur la science-fiction japonaise. Alors sur le manga, etc., ça existe, mais sur la littérature. Sur la littérature, il n'y a pas grand-chose. Il y avait un truc en Eh ben anglais. voilà, on va attendre un livre de toi alors. Bah, voilà, profitons-en pour faire de la publicité. Alors, parce qu'il y a quelques nouvelles qui sont disponibles pour ceux qui sont intéressés. Alors, peut-être que les gens les ont déjà lues. Il y avait eu un numéro spécial sur le Japon dans Galaxy. Un numéro spécial sur les nanotechnologies avec quelques nouvelles que j'ai eu l'occasion de traduire. Et avec l'éditeur Atelier à Katombo, on est en train de préparer là un recueil de nouvelles très récentes. Donc je parlais tout à l'heure de Fuji Taiyo, de Ito Keikaku, d'auteurs vraiment du 21e siècle, et qui devraient sortir, bon, avec la situation sanitaire pour l'instant, apparemment le calendrier risque de connaître quelques changements, mais pourrait sortir peut-être fin d'année ou début d'année prochaine. Donc pour ceux qui seraient intéressés, Ok, très n'hésitez bien, pas. merci Denis. On va devoir s'arrêter là. C'est un sujet passionnant. Donc j'espère qu'on pourra te réécouter une autre fois, à Mais l'ICFiction ou ailleurs. ouais, Et je remercie à tous ceux qui nous ont suivis d'avoir suivi donc cette première conférence à l'ICFiction 100% virtuelle en 2020. Et je vous souhaite de passer un bon festival tout le week-end. Merci. merci à tous. Bye bye.
Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.